Solas confirme que les cieux sont balafrés, mais calmes. La brèche est fermée. On nous signale quelques failles résiduelles, et beaucoup de questions restent sans réponse. Mais c'est une victoire. Les récits de votre héroïsme se sont répandus. Je n'étais qu'une personne parmi tant d'autres. C'est la chance qui m'a mise au milieu de tout ça. Drôle de chance, alors. Je ne suis pas sûre qu'on doive la remercier. Mais vous avez raison. On doit cette victoire à notre alliance. Elles étaient rares jusque-là. Maintenant que la brèche est refermée, cette alliance aura besoin de nouveaux objectifs. Force, on approche! Aux armes! Londin, il faut regagner les portes. Bon, on va attendre un peu avant de trinquer à la victoire. Ça se présente mal. Cullen ? Une armée gigantesque est en approche. Le gros des troupes est en haut de la montagne. Sous quelle bannière ? Aucune. Aucune ? Je ne peux pas entrer si vous m'ouvrez pas ! Je m'appelle Cole. Je viens vous alerter, vous aider. Une armée arrive pour vous faire du mal. Vous êtes sûrement déjà au courant. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Les Templiers viennent vous tuer. Les Templiers? C'est comme ça que l'Ordre réagit à nos discussions avec les mages. En nous attaquant aveuglément. Les Templiers rouges se sont tournés vers l'Ancien. Vous le connaissez? Lui vous connaît. Vous lui avez pris ses mages. Là-bas. Je connais cet homme. Mais cet Ancien-là... Cullen, il nous faut un plan, n'importe quoi. Dars n'est pas une forteresse. Si nous voulons tenir tête à ce monstre, nous devons contrôler l'affrontement. Allez écraser cette armée. Donnez tout ce que vous avez. Mage ! L'Ordre des Templiers n'est plus ! Vous, vous avez la permission d'engager le combat ! C'est sans inquisition ! Il ne vous facilitera pas la tâche ! Prends le bas de combat !